Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire l'intérieur de la boule. Donc on va commencer par la partie du haut. Alors pour commencer, j'ai préparé des fuseaux en jaune en fait. Comme j'ai fait tout l'extérieur en rouge, j'ai préparé des fuseaux jaunes. Donc il va falloir commencer à crocheter à plusieurs endroits. Donc ici déjà, on va pouvoir mettre 4 fils jaunes. Dans le même trou, vous mettez la deuxième paire. Et je remets l'épingle. Ensuite, avec ces quatre-là, on va commencer tout de suite à faire les cordes pointonnées. Donc les cordes pointonnées, je vous rappelle, ils sont dans les étapes de trou. Vous pouvez faire simplement des cordes normales avec des épingles de soutien si vous ne savez pas faire les pointons. Voilà, une fois que vous arrivez ici, il va falloir crocheter vos 4 fils. Donc là, je fais une boucle assez grande, donc j'allonge mon fil pour faire une boucle qui soit suffisamment grande pour faire passer mes 3 autres fils dedans. Je remets mon épingle et je vais redescendre le petit bout de corde pour arriver ici. Une fois que ça c'est fait, vous avez descendu votre corde, vous pouvez ensuite enlever l'épingle ici et rajouter à nouveau 4 fuseaux. C'est encore des cordes. Alors ensuite, avec les 4 fils que vous venez de mettre, vous allez descendre ce tout petit bout de corde ici pour croiser l'autre corde en haut. Voilà, et si vous avez bien suivi toutes les vidéos depuis le début, vous aurez compris qu'il faut faire ici un croisement de 8. Croisement de 8 veut dire 8 fuseaux. Il va falloir donc les prendre par paire. On compte 1, 2, 3 et 4 et on fait 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. Vous avez reconnu le point ouvert. Ensuite, vous mettez 4 à gauche, 4 à droite, l'épingle au milieu et on va fermer cette épingle par un 2 sur 3, comme si en fait on faisait le point fermé avec l'épingle juste avant, 2 sur 3. Donc maintenant j'ai une partie qui va descendre, ce sera mes 4 fuseaux de gauche et mes 4 fuseaux de droite vont faire l'arrondi. Alors je vais descendre ma corde là
Il y a ici un pointon à gauche et un pointon à droite. Donc, si vous savez les faire, c'est le moment. Et vous descendez la petite corde jusque là. Ensuite, donc là j'ai redescendu la corde jusque là. Je vous montre en zoom. Ensuite, on va refaire donc l'arrondi ici. Pointons à droite. Je recontinue un peu la corde. Repointons à droite. Je continue de nouveau la corde. Faites attention que le pointon soit bien attaché à l'épingle. Si ce n'est pas le cas, vous tirez les fuseaux un par un, deux par deux. Vous faites en sorte que vraiment le pointon soit collé à l'épingle. Parce que sinon, ça peut arriver qu'il s'en aille. Mais c'est pas. Après, ça fait pas joli à la fin. Il faut vraiment que le pointon soit collé. Et voilà. Donc, ici, j'ai mis le troisième pointon. J'ai descendu la corde et je vais avoir encore ce croisement-là à faire. Je vous le remontre. Donc, on fait croisement de 8, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Épingle, 4 à gauche, 4 à droite, et on finit par un 2 sur 3. Ensuite, vous pouvez faire la corde à gauche, cette corde qui va venir ensuite croiser la partie du milieu que nous verrons demain, et avec les cartes de droite, ils vont descendre ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez enfoncer les épingles. Et je vous montrerai la suite demain.